Je l'affiche devant tout le monde à Action. Olivia, tiens, attrape pour ta gastro. Il t'en faut beaucoup. Olivia, tiens, je t'ai trouvé une culotte à ta taille. Sérieux, là? Bah quoi, c'est à ta taille au moins. Une couche. Tiens, Olivia, pour ton haleine, en ce moment, elle est pas très fraîche. T'es sérieuse, là? Et toi? Pourquoi pour toi, là? Olivia, ça fait combien de temps que t'es pas allée chez l'esthéticienne? Pense à prendre de la crème. Eh, Agnès, je suis prête avec toi. Comment tu sais, d'abord? Comment tu sais? Tiens, je t'ai trouvé un truc pour t'entraîner à faire la cuisine, vu que tu sais pas faire à manger. J'en ai marre de manger des pâtes. T'es sérieuse, là? Bah oui. Et je vais tout fumer, hein, franchement. Hein. Franchement, t'as raison de prendre des trucs de sport pour ton régime, hein, il t'en faut. Hein. Oh là, franchement, j'en ai marre de toi. Tiens, Olivia, j'ai trouvé ton cadeau de Noël. C'est pas vieux. T'aimes bien, c'est bien. T'aimes pas? C'est pour les grands-pères. Mais c'est beau, t'abuses. Je suis pas une grand-mère encore. T'es sérieux, c'est quoi cette roue là? Mais regardez maintenant, c'est elle qui me tape la honte en fait. Vas-y, enlève ça là. Mais Agnès, arrête. On inscrit ma mère sur un site de rencontre pour voir sa réaction. Mais il est bien ce profil. Trouver un mec. Mission, trouve un mec. Ah bon. Maman. Quoi? Regarde. Je suis une femme célibataire et cherche un mot. T'es sérieux là? T'es sérieux de faire ça là? Mais quoi, on va trouver un mec, t'es pas obligé de crier. Mais ça te regarde pas là, c'est parce que c'est terminé, c'est comme. Mais tu te fais emmerder à la maison, j'ai marre, tu te fais toute la merde. Merde. Tu vas mettre. Je m'en veux pas pour le moment. Tu veux pas être sur un site de rencontre? Mais ça va pas ou quoi? Je veux pas. Ok, c'est bon, pardon. Ça va pas ou quoi? Tu veux que je supprime? Je le supprime? Non, pas pour l'instant. Ok, bon, laisse tranquille. Maman? Quoi? Qu'est-ce que tu fais sur Tinder, là? Rien. Mais je croyais que tu voulais pas être sur les sites de rencontres. Bah non, mais là, je veux parler avec Théo. Théo? Bah, il a un corps d'Apollo. Mais c'est qui, Théo? Bah, c'est Théo. Ah, monsieur. Ouais. Non, mais c'est pas mal, hein. Oh, je suis choquée. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il m'a envoyé sa tube. Oh, elle est énorme. Mais c'est quoi, ça? Je me déguise en Mercredi Adam de la série Netflix. Et Mercredi Adam, dans la série, elle a une frange. Je sais pas comment on met ça. Bon, Mercredi, elle a aussi des petites tresses, mais je vais trop galérer à apprendre sa danse. Faut que je l'apprenne, là. Est-ce que je ressemble à Mercredi? Super, bien en blanc. Ça, il est frappé sur la suite, c'est quoi, Agnès? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Agnès, t'es même pas drôle, Agnès, la merde des blés. Agnès, t'es même pas drôle des blés. Arrête de me regarder comme ça avec ta tête de chépin, là. Bonsoir. Vas-y, Agnès, là. Agnès, enlève-moi cette frange, t'es pas mercredi. Vous avez osé jouer avec ça? C'est pas un aspirateur. Ah non, voilà, l'école Neverlay. On va disséquer ta cervelle. Vas-y, je te prends la plus au sérieux, t'as dit Neverlay. On va disséquer. Je l'ai même pas encore. Ah, c'est des blés. Bébé. Quoi? Mais ça va pas. Il y a des gens derrière. On s'en fout des gens. Range-moi ça là, t'as le maquis là. Quoi? Ils vont voir que c'est tout petit. Ils vont être quoi? Mais ils vont être choqués, ils vont voir que c'est tout minuscule là. Ils vont me dire, mais la meuf elle a pas plaisir. Mais t'es sérieuse là, Agnès? Genre là t'es en train de dire que je te tape la honte. Ils ont vu? Bah elle est pas petite, elle est énorme. Ma vie, faut une loupe pour regarder. On va leur demander. Vous la trouvez comment, grande ou petite? Mais. Là, t'es gênée, là. Bon, on y va? Non, mais il faut acheter les médicaments pour la faire grossir. Non, mais bébé, allez, viens, on y va. Je suis hyper gênée. Désolée, hein, je suis hyper gênée. Oh, vas-y, mets ton short là. Bébé, viens, j'aime bien balader à poil. Non, je suis un nudiste. Mais t'es pas un nudiste là. C'est... Putain, une table longue celui-là. Moi aussi, je vais mettre les seins à l'air. Non, allez. Quoi? Arrête de faire genre qu'elle est petite, je sais que t'aimes bien. Non, allez, viens, on passe aux chaussures. Je la surprends en train de faire sa skincare secret. Je suis pas peur.
j'étais en sang, j'étais en macaque. C'est bon, non? Quoi? J'ai une idée. Quoi? On va faire ensemble. Non, 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 non. On va faire ensemble. Non. Allez. Non. 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 Souffle pas, ça enlève. Allez, à toi. Quoi? Allez, dépêche-toi. Et quoi? Ouhouhaha. Dépêche-toi. Ouhouhaha. Je lui fais croire que j'ai aussi tatoué son prénom sur mon poignet pour voir sa réaction. Mon cœur ? Ouais. T'as vu sur ton poignet ? Ouais. T'as marqué mon prénom ? Bah oui. Et bah en fait, ce matin, j'ai voulu faire pareil que toi. Genre ? Je te jure, regarde. Zizou. Ouais ? Genre, je me dis pourquoi toi genre, tu vas marquer. Toi, t'as tatoué mon nom. T'as vu ? C'est alors que toi, t'es la meuf anti-tatouage. Ouais, mais c'est mon premier tatouage et franchement, oui, c'est trop mignon. Oh, viens faire un bisou tatouage. T'es content ? Mais oui, mais t'es content ou pas ? Bah ouais, ça fait... Qu'est-ce qu'il y a ? Bah ça me touche. Hein ? Je suis sûr que ça m'a touché. Oh non, mais tu vas pas pleurer ? Non, je vais pas pleurer. Mais oh, mais ça te fait plaisir ou pas ? Je l'ai fait pour bah, toi. C'est la première personne qui fait ça pour moi. C'est vrai ? Je te jure, je sais ce que je vais faire. Tu vas faire quoi ? Surprise. Hein ? Tu vas faire quoi ? Je vais tatouer ton visage sur mon bras. Hein ? Je te jure, je non, 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 fais... non, fais pas ça, fais pas ça, non. Baisse un doigt, édition méchant. Si vous baissez plus de 5 doigts, alors vous êtes vraiment méchant. Commençons. Baisse un doigt si tu as déjà fait semblant de ne pas entendre ton téléphone sonner pour ne pas répondre. Baisse un doigt si tu as déjà ri quand quelqu'un est tombé devant toi. Baisse un doigt si tu as déjà évité un service de la première personne qui apparaît quand tu cliques sur partager puis WhatsApp. Baisse un doigt si tu as déjà mangé quelque chose qui n'était pas à toi. Baisse un doigt s'il t'arrive de ne pas répondre aux messages des gens pendant plus de 4 heures. Baisse un doigt si tu as déjà dit à quelqu'un qu'une tenue lui allait bien, sachant que ce n'était pas le cas. Baisse un doigt si tu as déjà spoilé la fin d'une série ou d'un film à quelqu'un. Baisse un doigt si tu as déjà imité la voix de quelqu'un pour le taquiner. Baisse un doigt si tu as déjà donné un surnom moqueur à quelqu'un. Baisse un doigt si tu as déjà fait semblant de ne pas voir quelqu'un que tu connais pour éviter de lui parler. Les gens, j'ai trouvé un AirTag, je vais pouvoir suivre à la trace, zizou! Les filles, avec ça, vous pouvez pister votre mec dès qu'il est dehors, pensez à l'acheter. Par contre, je sais pas comment connecter l'AirTag, je suis pas technologienne. C'est bon, j'ai trouvé, alors on fait connexion. Je l'ai nommé Anya te surveille, on fait continuer. Bébé, tu t'habilles comment ce soir du coup? Bah, je pense mettre un petit costume. Ah, tu mets un costume carrément. Bah oui, pourquoi? Mais mon cœur, tu vois pas que ta veste elle est froissée? Mais donne-la moi, je vais te la repasser au moins. Oh là là. Merci d'être fou, mon amour. Je sais de rien. Je vais mettre le AirTag ici. Oh, t'as oublié ça? C'est ce que j'allais dire. Tiens. Merci. Ah ouais. Je vais bien repasser. Merci, hein. Mon cœur. Bah, bon, à toutes. Allez. C'est parti, je vais le suivre. Un petit problème, j'ai perdu Zizou de vue, je ne sais pas où il est. Heureusement que j'ai mon petit AirTag qui m'indique exactement où il est. Allez, on y va. J'en peux plus, je vous promets, j'en peux plus. Bon, il est là, il est en train de traverser. Je peux pas traverser les voitures, elles me gênent. Et c'est une blague, là, il va pas direction le parking, il va direction chez son ex. Je le trouve plus alors qu'il était juste devant moi. Et le truc là, il dit qu'il est juste ici, mais je le vois pas. Oh, mais il est là, mais il est rentré. Oh, il va manger japonais avec qui? Regardez, il vient de m'envoyer un message, j'arrive à la maison, j'ai oublié un truc. Faut vite que je cours à la maison, il va arriver avant moi. J'en peux plus, en plus ça se trouve, il va chercher des capotes pour aller voir sa pouf là. Et en plus, il lui a pris japonais, c'est mon plat préféré, ça se fait pas. Il est là. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher quoi ici? Je parle mal. Vas-y, tu vas chercher quoi? Vas-y, dépêche-toi en fait. Bah, viens, du coup, je passe la soirée avec toi. C'est ça, on m'a japonais. C'est pour moi? Bah, oui. J'en pleure carrément, je suis trop émue. Tu pleures pour un japonais? Je croyais que t'allais voir une pouffe. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde ta poche de la veste. Anya! Je vais aller voir une pouffe. Non, non, non. Aujourd'hui, j'emmène Olivia à Zara car il lui faut un sacré relooking. T'es prête? J'ai peur. Ça, j'aime bien. Ah non, non, mais c'est moi qui décide. Repose-toi, c'est moi qui va choisir ta tenue. Non, t'es sérieuse? Oui. On va partir sur un look totalement différent de ce qu'elle porte d'habitude. Je voulais prendre ses talons, mais il n'y a pas sa pointure. Je vais en chercher d'autres. Je pense que je vais partir sur cette petite jupe short. Oh my god, j'ai trouvé les chaussures. Ça va aller trop bien avec la jupe. Je vais partir sur ce haut avec la jupe short. Ça va trop bien aller. Et on va terminer par le petit sac assorti aux bottes. Elle va être trop trop belle. Olivia, c'est bon, j'ai trouvé ta tenue. Tiens. Vas-y, prends-les.
Tu vas aller les essayer, ok? Je sais même pas si c'est ma taille. Si, j'ai pris ta taille, t'inquiète. Allez, viens, on y va. J'ai oublié ton petit sac. Un sac en plus? Oui. Allez, bon essayage. J'ai peur de ta. Mais non, tu vas être trop belle. Alors, Olivia, t'as bientôt fini? Attends, arrête de m'embêter. Oh, elle est longue. T'es prête? Vas-y, 3, 2, 1. Waouh, ça te va trop bien. T'aimes pas? C'est quoi qui est bizarre? T'aimes bien ou pas? Ouais, sympa. Ça change, non? Ouais. Là, t'es prête pour aller loin, hein. Au nouvel an? T'aimes pas? Si, ça va. On dirait qu'elle aime pas trop. Hein. Et vous, vous aimez ou pas? Parce que là, je m'inquiète. Go, la partie 2, on s'occupe de ses cheveux. On les sèche. Aïe! Allez, mettre parce que sinon on va mettre trop de temps. Allez, vite! Aïe, c'est chaud! Bon, allez, arrête, vas-y, dépêche pas, allez. Non, je vais... Allez, c'est parti maintenant. Allez. Avec le lisseur, on va passer. On va faire des boucles, ok? Vas-y. Donc, je vais séparer tes cheveux en plusieurs parties. Donc là, on va commencer la première boucle. Oh là là. Hop, est-ce que ça marche cette fois? Ah. Non, mais tes cheveux ont un problème là, non, ça va? C'est toi qui as un problème. Ah non, c'est bon, ok, on continue. Alors, voilà la différence. Est-ce que t'aimes bien pour l'instant? Ouais. Ensuite, on va passer à la deuxième partie. Ensuite, on enchaîne, on fait une belle boucle. Je te jure, tes cheveux, ils accrochent pas. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Tu me tires les cheveux, là. Mais non. Bon, on a bientôt fini. Tu vas commencer à fermer les yeux. Pourquoi? Comme ça, tu verras le résultat qu'à la fin. Eh, tu me coupes pas les cheveux, hein. Non, non. Je ferme maintenant? Oui, vas-y, ferme. Attention, Anna, je te jure, ça va mal se passer. Eh, tu tires, hein, parce que si je vais éternuer, j'ai l'impression que je vais éternuer à cause de toi. J'ai une patate, là. Et voilà le résultat. Mais franchement, on dirait une femme fatale. Je te jure que t'es incroyable. De... Tu vas venir tous les jours avant que j'aille travailler. C'est parti, t'es prête? Ouais. Je commence par les sourcils. Ouais, mais pas peau de peinture. Non, pas de peinture. Okay. Léger. Hein. T'inquiète, je te surveille. Hein. Je regarde. T'es pas très confiante. Hein. Non, j'ai peur. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Donc là, on va pas hésiter à en mettre beaucoup. C'est ma tête, Tania. C'est pas un coloriage. Hein. Fais-moi confiance. Non, non. Ensuite, on va estomper avec cette petite épongette. Mais attends. Quoi? Quoi? C'est quoi tout ça, là? Bah, c'est pour faire... On dirait que j'ai des cocards. Pour faire le contouring. Non, non, là, on va croire que je vais... tu sais, comme les indiennes, tout ça. Oh, oh. On passe à la poudre. On n'hésite pas, hein. On en met beaucoup. Ouais, okay. Bah, fais doucement, quand même. C'est ma tête, hein. Je suis pas ton cobaye, moi. On passe au blush, pour donner une meilleure mine. Ok? Oui, mais pas Barbie. On passe au mascara. J'ai peur de te crever l'œil. Non, me crève pas l'œil, hein. J'en ai besoin. Je passe au rouge à lèvres et je vous montre le résultat. 3, 2, 1, tada! Mais tu sais que t'es trop belle, ça te va trop bien. C'est vrai? Oui, tu veux te voir devant le miroir? Ça peut être mieux, ouais. Vas-y, regarde. T'en penses quoi? Bah, c'est beau. T'aimes bien? C'est naturel, ouais. Par contre, ton miroir, il est sale. Oui, bah, arrête de mettre tes doigts, toi aussi. Ok, vas-y, regarde-moi. Oh, ça fait trop beau, par non. contre. Oh, merci. Les cheveux! Ok, partie 2, les cheveux. Hop là! Je lui demande de me commander un menu McDo qui n'existe pas. Bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour, je vais vous prendre un menu McFlurry poisson, s'il vous plaît. Comment? McFlurry poisson. En menu maxi? Non, normal, frites coca. Normal, frites coca? Ouais. Avec ceci, tu veux quoi? Un menu Dragon Ball Z, s'il te plaît. Un menu Dragon Ball Z, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Avec les frites et la sauce Kamehameha. C'est ça? Ah non, on l'a pas ici. Y a pas? Non? Mais si, je dis, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté? Ah non, on l'a pas ici. Y'a pas eu. Elle peut pas demander, se renseigner. Vous pouvez pas demander ou quoi? Parce qu'on m'a dit que c'est la nouveauté, ça va sortir. Attendez, nous ce qu'on a en nouveauté, on a que ça, regardez. Le tome qu'on a, le premier. Ah, c'est ça la nouveauté? Non, moi je voulais avec la sauce Kamehameha. Y'a pas sauce Kamehameha? Non, pas du tout. Non, ça existe pas. Ah, pas mais... ici en tout cas. Pas ici. Ah, donc ça existe? Je sais, non, j'ai jamais entendu, franchement. C'est McDo, vous êtes sûr que c'est McDo? C'est McDo? Bah oui. Oui, c'est McDo. Je sais pas, c'est... Après, pas, vous allez montrer le sandwich, mais ça existe pas. Ah, madame, ça existe pas, c'est lui qui m'a fait une blague. Oh là là, c'est pas drôle, j'ai vu, il est en train de filmer en plus. De zéro, là. Je parle avec un accent pour voir sa réaction. Excusez-moi, madame Ania. Excuse me, mais madame Ania. Quoi? Tu es très belle aujourd'hui, tu es très charmante. Merci, c'est gentil. Zoui, elle est très très belle, madame Ania. Tu es vraiment très 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 vraiment très belle. Tu es très belle. Et pourquoi tu parles comme ça? Ça y est, t'as mangé un couscous en tachine dans ton ventre, tu te prends pour un blédard. Ah, Ania. Quoi? Madame Ania, tu as un problème avec les blédards? Ah, non. Ah, parce que moi, je suis un blédard de France. C'est vrai? Ah, moi, je suis pas un blédard d'Algérie, je suis un blédard de France. Ah, excuse-moi. Francia.
Ah oui, madame Ania, tu es très belle. Mouah, mashallah, mleha. J'adore, je vais te ramener avec moi en Algérie, on va faire le mariage arrangé. Ah non, tu ne changes pas contre des chameaux. Ah, ah, le mariage arrangé, si tu ne changes pas contre les chameaux, si tu changes contre l'iPhone. Ah non. Ah, madame Ania, il est très beau ton téléphone. C'est mon iPhone. Ah, j'adore le téléphone de madame Ania. Merci. Il est très très beau. Merci. Il doit valoir très très cher. Beaucoup d'argent. Donne-le-moi. Je vais le ramener pour tata Jamila, elle a besoin d'argent, tu sais, Ania. Non. L'Algérie, ils ont besoin d'argent, notre famille. D'accord. Ah oui, madame Ania. Madame Ania. Tu fais trop bien la gueule. Tu as un problème avec les blédards. Maman. On fait un plan à l'américaine à ma mère et rien ne se passe comme prévu. Oh, t'as du super. Bon, c'est que de la chantilly, Ania. Aïe, aïe, mais tu me saoules. On est pas, tu me saoules depuis tout à l'heure. Tu me chèques, ça sent. Pourquoi il y a du papier là? Laisse ta tête, regarde, tu me chèques, ça sent du depuis tout à l'heure. Maman! Doigt, mais si tous tes doigts ne sont pas baissés, tu es un menteur. Baisse un doigt si tu as déjà dit un alors que tu as entendu ce que la personne a dit. Baisse un doigt si tu as déjà uriné sous la douche. Baisse un doigt si tu as déjà caché la caméra de ton téléphone ou de ton ordinateur car tu pensais que quelqu'un t'observait. Baisse un doigt si tu as déjà fait semblant de dormir lorsque ta mère ou ton père est rentré dans ta chambre. Baisse un doigt si tu as déjà rigolé avec la première personne qui apparaît lorsque tu cliques sur « Partager » puis sur « Plus ». Baisse un doigt si tu as déjà eu peur en entendant un bruit lorsque tu étais seul chez toi. Baisse un doigt si tu as déjà rigolé à une blague alors que tu ne l'avais pas compris. Baisse un doigt si tu as déjà sorti ton téléphone pour regarder l'heure mais que tu as dû le ressortir parce que tu as oublié de regarder l'heure. Baisse un doigt si tu as déjà oublié pourquoi tu étais rentré dans une pièce. Baisse un doigt si après avoir fait une faute de frappe, tu effaces toute la phrase et recommences. Alors sans mentir, combien de fois as-tu baissé le doigt? J'essuie sa paille avant de boire et regarder sa réaction. Mais, bébé, t'es sérieux? Ouais. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi j'essuie la paille? Mais ma vie, mais c'est moi. Mais je te dégoûte ou quoi? Non mais attends, c'est pas du tout comme ça en fait. Quoi? Mais... T'es sale, Ania. Tu bois après moi. Mais non, mon cœur, je bois pas après toi, j'aime pas. Mais j'avais pas mis de gloss, j'ai rien mis là, t'es sérieux ou quoi? J'aime pas boire après toi. Mais je suis ta femme. Hé, hey, on boit après sa femme. Ah, tu suces la paille ou... Mais bah t'es sérieux, mais vas-y. Non, je te dégoûte, mais désolé, ça c'est pas ce que tu fais. Mais pourquoi tu fais ça? Mais... Il a plus de salive là. J'espère bien qu'il... Quoi? Il s'est fait tirer dessus le mec. Oh, oh mon dieu. Change pas de sujet. Pourquoi t'es celui-là? Pourquoi t'es celui-là? Il y a un goût de salive là. Aujourd'hui, Zizou et Ania cuisine. Pour notre première recette, on va faire des pâtes à la sauce tomate feta. Et c'est des pâtes que vous voyez partout sur TikTok. On aura besoin de sauce tomate. Je peux faire. Non, arrête, maquillage. De l'herbe de Provence. Si. Basilic. C'est quoi? Ça s'appelle comment? De la feta. Ça va entre mes mains. Et de la vache qui vit. T'es trop belle quand je suis cuisine. Merci. J'ai rigolé. C'est sérieux là? On ajoute sel et poivre. Et on rajoute de l'huile. On l'enfourne au four pour 15 minutes à
185. Regardez. On ajoute les pâtes. Une fois que c'est cuit, on vient casser le fromage et on mélange tout. On ajoute toutes les pâtes. On ajoute du poulet. On rajoute le fromage râpé. Tu goûtes ? Oui. C'est trop bon. Et ça repart au four pendant 10 minutes. Tada ! Ça a pas trop bon, sérieux. On arrête ça. C'est le meilleur. Les gens, Anya, elle est grave malade, puissance 15 000. Et ça va pas mieux, mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis mal à la tête, à la gorge, j'ai des bouchées. Ah ouais, là, tu sens vraiment pas bien? Non. Et t'as faim? Bon, je te prépare une petite surprise. On va prendre un pain au chocolat et un croissant. Pris des roses à Anya. Merci beaucoup, monsieur. Oh, préparation du petit-déj à mon petit babe. Oh, doucement. Moi je vais tout casser dans cette baraque. Une petite assiette, un petit croissant, un petit pain au choc ou une chocolatine comme vous préférez. Mais on dirait pas au chocolat, les gens. Anya n'aime pas le jus d'orange, du coup on va mettre de l'actimel. N'oubliez pas les roses, regardez. Oui, il y a toujours mon chien dans les pattes quand il s'agit de bouffe. Bébé, ta surprise est prête, filme-moi. Bébé ! Quoi ? Tu filmes ? Oui. Surprise ! C'est quoi ? T'as un petit peu de lait. Mais. Ils sont pas abîmés. Je vais pas manger par terre, mon cœur. Et t'as toujours ça. Ah, mais ça, c'est bien ça, ouais. Merci. Les gens, regardez, j'ai trouvé des lunettes Cartier, mais regardez le prix. Elles coûtent 2 100 €. Mais comment je fais? Bah, tu les prends pas, là. Sarah, même si t'es avocate, tu penses que je peux les piquer? Non. J'ai envie de la vie. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Vous voyez pourquoi il faut jamais traîner avec des avocats? Bon, moi, j'ai trouvé mes petites lunettes. C'est vrai, Gabi, je te prends celle-là. Tu vois? Celles-là, elles sont pas chères. Elles vont bien avec le t-shirt. Bah oui. Eh, hey, beau gosse. Bon bah, merci. Merci, Gabi. Merci. Il a même pas cramé. Il a pas cramé? Regarde ma sacoche. Cramé quoi? Hein? Cramé, je prie de m'excuser. Je suis leur avocate, ils ont rien volé. Non, mais ils ont rien volé. Ils ont rien volé. Madame, je regarde, s'il vous plaît. Mais c'était déjà à toi, non? Il y a le ticket. Ah mais c'est vendeur, il a partiré. C'est la vendeuse, elle a partiré. Non. C'est le vol, c'est la soustraction produite. Dis-moi, c'est pas celui-là qu'on a attrapé autrefois, c'est là. Non. Sarah. Sarah. Oh monsieur. Mais laissez-moi. Il va travailler chez nous, il va voir celui-là. Mais il veut que je travaille gratuitement. Allez. Je la teste avec le dernier chocobon. Putain, c'est le dernier chocobon. Hein? C'est le dernier. Mais attends, autant que je le prends avec du lait, non? Ouais, grave. C'est le dernier. Je vais le déguster, mais je vais le savourer. Non, je peux pas, le pauvre. Ça se fait pas. C'est le dernier. Non, puis merde, j'ai faim, moi aussi. J'ai envie de me remplir le ventre, en fait. Non, je peux pas. Ça me fait trop de la peine, le pauvre. C'est le dernier. Tu veux un verre de lait? Hein? Tu veux du lait? Non, merci. Je fais quoi? Ah, y'a plus de lait, bébé! Tant pis, j'ai regardé déguster. Oh, son ventre! Bon, y'a plus de lait. Ah bon? Non. C'est le dernier en plus, hein. Pourquoi il est ouvert? Hein? C'est le dernier, hein, ouais. Déguste-le bien. Pourquoi tu me regardes comme ça? Quoi? Bah, mange-le! Bah, je me cache pour manger. Bah, pourquoi? Bah, tu me regardes! Non, mais ça a l'air pas, je me fous, hein. Oh, mesdames! Je sais que tu voulais le manger. Les gens, on récupère enfin notre enfant. Après un mois, ça faisait trop longtemps. Et t'as manqué? De ouf. Oh là là! Ça va, mon bébé? Chouchou! Aïe aïe aïe! Ça va, Tom? Oh là là, mon bébé! Oh là là, c'est qui? Elle est trop contente. Oh! Thank you.
Chouchou. Bien bébé. Oh là là. Tu vas pleurer là. Oh là là. Waouh. Bien mon bébé. Oh là là. Regardez ce gros bébé. Viens bébé, elle vient. Oh là là. Elle nous a trop manqué. Chouchou, tu vas où? Viens. Oh là là, chou. Mon bébé. Là il est en train de perquiser mon chien, ça y est, tu l'as assez fait des câlins là pendant un mois là. Chouchou. Non. Viens bébé. Eh viens. Oh là là. Je leur parle en criant pour voir leur réaction. Ah, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu cries toi? Mais parce que je viens de voir une vidéo, si je veux rigoler, je rigole en fait. Ah mais ça va pas ou quoi? Mais elle fait mal. Oh Lydia, tu me parles pas comme ça en fait. On va y va là. Eh tu détends, tu parles pas comme ça, tu cries pas dessus, non? Mais je te crie pas dessus, je te crie normalement. Mais t'es là, tu cries. Mais je crie pas là. Moi aussi j'ai crié. Mais elle a mis un truc dans sa gorge là ou quoi? Jack, elle a... non. Jack, elle a une voix crisselante. Ah, c'est une poule qui braille là, c'est pas possible ça. Quand poule pondeuse. Oh là là. Oh, pourquoi tu te moques de moi là? C'est ma voix naturelle. Elle a pas mangé ou quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce que t'as toi? C'est le début des Même règles. La chevelure, elle bouge toute seule quand elle rigole. Mais elle est folle elle hein. Non, parce qu'elle va avoir ses règles. Encore? Bon, on va faire mes ongles. Je vais faire mes ongles. On y va ou pas? Ah. Eh, tu vas sortir de la voiture et tu vas y aller toute seule. T'as compris? Mais c'est toi qui vas sortir de la voiture et ça, c'est ma voiture. Sortez de ma voiture. Mais pourquoi tout le monde crie? Pourquoi vous parlez pas normalement? Vas-y. Dans votre vie, parlez normalement! Moi je m'en vais. Moi, vous, elle est complètement cinglée cette fille, moi je veux plus l'avoir encore. Mais les gars, tu vas où? Tu vois, hey, ici, barre, hein. Tu te calmes, hein? T'es chiant, t'as bien. On plaque ma mère avec une liasse de billets. Maman, ouais. Regarde, il y a 20 000 euros. C'est quoi ça? Pose pas de questions. Bref, on va juste acheter un truc. Tu surveilles bien les billets. Surveille bien la voiture, que personne rentre. Il y a personne qui va rentrer. Et tu me piques pas un billet, maman. Parce que j'ai une tête à voler, moi. Maman. Je suis ta mère. Je te fais confiance, justement. Bah oui, n'importe quoi. On arrive. Pensez comme ça. De toute façon, quand on est dans la famille, c'est pas volé. Hein. Tu vas voir si c'est volé. Avec tout ce qu'il a là. Et ça se verra pas. Quelques billets. 9 mois, je l'ai porté. 21 ans que je le supporte. Un petit bifton par-ci, un petit bifton par-là. Allez, hop. Hop, caché dans le soutif. Hop, il verra rien. Et moi, je lui dis que j'ai rien touché. De toute façon, c'est pas sa mère qui va lui voler quand même. Oh, c'est juste un petit emprunt. Ça va? Bah oui. Tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu regardes, notre cibé, là? Les coffrets de maquillage, promotion. Mais je croyais que t'avais pas d'argent, maman. Bah, ouais. Mais je travaille quand même. On va aller, mets la ceinture, on y va. Ouais. J'espère que tu m'as pas piqué de billets. Moi, ta mère? Maman. Mais moi, promis. C'est pas une voleuse, ma mère. Jamais. Non, je suis choqué. Mais pourquoi t'es énervé? Bon, elle est vénère. Regardez, hein, on vient à peine d'arriver de nos courses. Pourquoi tu regardes mal comme ça? Regardez ce qu'on vient de trouver devant ma porte. Un cadeau Hermès avec une lettre Hello mon zizou. Mais c'est toi qui m'as offert ça? Non, c'est pas moi. Bon, les gens rentrent à la maison et je vous lis la lettre. Je vous lis la lettre de l'inconnu. Anya, elle est très énervée. C'est pas de ma faute, hein, ma vie. Hello, mon zizou. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Hé hey. Je voulais te faire ce cadeau en espérant qu'il te plaise. Bah, non. De ouf. C'est du Hermès. Non. Je suis trop pressée de te voir avec ce magnifique cadeau au pied. T'es fétichiste? Elle aime les pieds. Je sais pas. J'aime pas les pieds, moi. Je pense que tu voudrais savoir qui je suis. Bah oui, dis-nous qui t'es, frère. Bah ouais, dis-nous. Alors, je te donne des indices. Je crois que ta femme ne m'aime pas trop. Ouais, bah si t'as fait des cadeaux, mec, je t'aime pas. Je sais que tu étais un élève très dissipé. Hein? J'aimerais bien te donner des cours particuliers. La seule prof que je connais, c'est la prof des réseaux sur TikTok. Hein. Je suis TikTokeuse. Et pour finir, j'ai le double de ton âge. Oh là 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 là. Pause. Ma mère a le double de mon âge. Ma mère était très forte en français. Et ma mère est TikTokeuse. Mais la prof des réseaux Yasina est TikTokeuse. Elle a le double de mon âge. À votre avis, c'est qui? Son cadeau dans la partie 2. Je lui fais croire que je me suis lâché aux toilettes pour voir sa réaction. Quoi? J'ai mal au ventre. Tu vas où là? Bah, aux toilettes. Ah non, va pas aux toilettes. C'est un conseil que je te donne. Ça pue? Bah là, je viens de sortir des toilettes, j'ai la chiasse. Hein, mon bébé, t'es ma femme, t'es mon bébé, t'es mon amour de ma vie. Ouais. On va avoir des enfants ensemble. C'est moi qui vais changer les couches aux gosses.
Oui. Donc, je peux sentir ton odeur, bah, même si ça pue. Ah non, 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 ça me gêne tu trop. Tu pues du cul, c'est pas grave. Non, ça me gêne trop. Non, vraiment, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, je t'en supplie. Non. Qu'est-ce qu'il y a, ça va? Allez, hop, je peux rentrer dedans. Ah, ça pique les yeux. Arrête, à ce point. Putain, t'as la chasse, t'as mangé quoi? Ah, je sais pas, c'est. Je sais pas, c'est. Mais... je me sens pas bien. Je te jure, faut que j'aille aux toilettes encore. Mais t'as trop de balles pourries! Mais t'es sérieux ou quoi? T'as trop de balles en feu! Non, mais t'es sérieux, bébé, non, ça se fait pas ce que tu dis. Bah, ça se fait pas, bah vas-y, va pas pipi. Deux solutions, soit je chie par la fenêtre, soit je chie. Fais-moi masse d'oxygène! On va prendre Kanya avec cette main qui est archi réaliste. Regardez comment elle est énorme et trop bien faite. Elle fait la taille de ma main. Putain, mais elle continue à marcher avec sa fausse main. Regardez que sa fausse main. T'as vu, c'est bien, hein. Qu'est-ce qu'elle continue à marcher avec sa fausse main là? Regardez, elle continue à marcher. Ah! Tu lui as coupé la main! Mais tiens! Tu sais que ça fait une minute que tu marches? Ça fait une... Attends, mais ça fait une minute que tu marches avec une fausse main. T'arrives même pas à reconnaître ma vraie main? Mais je te jure, je croyais que c'était ta main, je suis choquée! Bon bah on fait l'ouverture du cadeau mystère de l'inconnue TikTokeuse, je sais pas c'est qui. Bon, je vais voir quand même ce qu'il y a dans le cadeau. Donc déjà on a une boîte, elle est pleine. C'est tout? Ouais, y a rien d'autre. Bon bah j'ouvre les gens. Pourquoi tu me regardes mal? Bah vas-y. Mais pourquoi tu regardes mal? On dirait que c'est de ma faute. On dirait que c'est moi, j'ai appelé la TikTokeuse, je lui ai dit fais-moi un cadeau. Oh là là, les filles, je vous jure. Tu veux que je t'aide? On dirait que t'as du mal à ouvrir. Ne regarde pas parce que tu me regardes mal, donc ça sert à me regarder. À ton avis, il y a quoi dedans? Ma mère. Bon bah déjà, il y a ça. Ok, trop facile. C'est quoi? Des claquettes. Okay. Des claquettes! 42,5. Comment elle connaît ma taille? Quoi. Elles sont trop stylées par contre pour le coup. Je jure, elles sont pas trop belles. Je les garde. Tu vas les rendre, on va les acheter pour moi. Mais c'est ça, ouais. Du coup, c'est qui la TikTokeuse? Elle a le double de mon âge. Elle est forte en français. Et c'est une TikTokeuse. Mais du coup, qui ça peut être, bordel? Je sais pas. Je vais vous faire un petit haul de ce que je me suis acheté hier. On va commencer par cette boîte. Je sais pas c'est laquelle. Regardez s'il vous plaît la pépite. Elles sont pas trop belles. Bah, c'est des talons quoi. Mais c'est pas des talons ma vie. C'est quoi? C'est des baskets. Je vous jure que je les ai prises parce que à ce qui paraît elles sont indisponibles partout dans le monde. Du coup bah j'ai eu l'occasion de les avoir. Pas indisponibles, mais elles sont dures à trouver. Elles sont hyper dures à trouver. Du coup dites moi si vous aimez bien. Bon du coup Zizou il vous a spoilé le deuxième truc que je me suis acheté. C'est une blague, c'est pas ça. Regardez la pépite. Bah c'est des talons quoi, encore une fois. C'est noir. Non mais s'il vous plaît, ils sont pas trop mignons. En plus moi comme je suis grande, du coup j'ai pris des petits talons parce que sinon je suis plus grande que Zizou. Du coup j'ai dû prendre des petits talons, ils sont trop beaux. En fait j'ai voulu en blanc, mais il y avait plus ma taille. Du coup j'ai pris en noir. Non, dis la vérité aussi parce que tu sais pas, j'ai des talons. Ouais aussi. Ensuite je me suis pris... Ah mais j'ai déjà mis un bracelet. Regardez. Avec la petite malle. Trop canon. Et pour terminer, j'ai pris ces deux masques. Dites-moi s'ils sont bien. Enfin, c'est Zizou qui me les a pris. Dites-moi s'ils sont bien parce que j'y connais rien du tout. Maman, toi et moi, on est connectés. Anya et moi, on est connectés. Là, vous allez me donner des numéros derrière la tête, comme ça, avec vos mains, et je vais deviner, ok? Ok, okay. Tu commences ou je commence? C'est parti. Je commence. Vas-y. Alors? Un 2 pour ma mère! Ah, trop fort! Et toi, okay, Anya? Un 1! Mais t'es sérieux là? Mais vas-y, je suis choquée. À moi. Ok, vas-y, maman. Vas-y, moi, il devine même pas. 4! Oh! Yes! Ça, c'est mon fils qui est grave. Ah bah, c'est normal. Toi, on est connecté. Ah bah, attends.
Ok, à moi. 8. Putain, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Bon, vas-y, maman, vas-y, vas-y, je dernier le sens coup, bien. Dernier coup. 2. Oh, oh, tu me prends pour une conne ou quoi? Quoi? Je suis pas sur TikTok, moi. Tu crois que je le connais pas, ça? Le fil? Et toi, tu me prends pour qui? Une cruche? Mais c'est vous, les deux cruches, là. Sérieux, ma cruche? Ah, mais attends, mais bien sûr, ça tourne tout le temps, ça. T'as cru que t'allais m'avoir qu'on était connectés. Et puis, tu m'aurais dit, maman, à la vie, à la mort, hein, connexion parfaite. Bravo, ouais, c'est ça, ouais, mon grand. Je leur parle en criant pour voir leur réaction. Ah, pourquoi tu cries, toi? Parce que je viens de voir une vidéo, si je veux rigoler, je rigole, en fait. Ah, mais ça va pas ou quoi? Mais elle fait mal. Oh, Olivia, tu te parles pas comme ça, en fait. On va y va, là. Eh, tu sais pas, tu parles pas comme ça, tu cries pas dessus, non? Mais je te crie pas dessus, je te crie normalement. Mais t'es là, tu cries. Mais je crie pas, là. Moi aussi, j'ai crié. Mais elle a mis cri. Mais elle a mis un truc dans sa gorge, là, ou quoi? Jack, elle a une voix crisselante. Ah, vas-y, roule, avance la voiture, là. Eh, tu ne parles pas comme ça, là, moi aussi, je peux crier. Eh, mais je crie pas, pourquoi vous criez? Ça va pas ou quoi? C'est une poule qui braille, là, c'est pas possible, ça, quand tu crois. Poule pondeuse. Oh là là. Oh, pourquoi tu te moques de moi, là? C'est ma voix naturelle. Elle a pas mangé ou quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce que t'as, toi? C'est le début des même règles. La chevelure, elle bouge toute seule quand elle rigole. Mais elle est folle, elle, hein. Non, parce qu'elle va avoir ses règles. Encore? Bon, on va faire mes ongles. Je vais faire mes ongles. On y va ou pas? Ah. Eh, tu vas sortir de la voiture et tu vas y aller toute seule. T'as compris? Mais c'est toi qui vas sortir de la voiture ici, c'est ma voiture. Sortez de ma voiture. Moi, j'ai rien dit. Mais pourquoi tout le monde crie? Pourquoi vous parlez pas normalement? Vas-y. Dans votre vie, parlez normalement. Moi, je m'en vais. Moi, elle est complètement cinglée, cette fille. Moi, je veux plus l'avoir. Mais Olivia, tu vas où? Eh, il y a des gens ici, hein. Tu te calmes, hein. T'es chiante, Ania. Est-ce que vous voulez que je vous révèle un nouveau secret sur Ania? Non. Mais c'est bon, de toute façon, la vidéo elle passera même pas dans les pour toi. Non, vas-y. Est-ce que vous vous rappelez du film d'horreur Smile? Oh non. Le soir même, quand on a dormi, Ania elle a pissé au lit. Non, ça, c'est pas gentil, ça. C'est méchant, ça. Et toi, tu captais 15 ans quand tu faisais pipi au lit, on en parle? N'importe quoi. Oh les balles, t'es sérieuse, hein? Je l'appelle mon pote pour voir sa réaction. Oui, bonsoir. Oui, ça serait pour passer commande, s'il vous plaît. Oui, alors moi, je vais vous prendre une pizza à 4 fromages, s'il vous plaît. Regarde la gourmande. Sauce piquante. Oui, avec sauce piquante. T'as oublié ton truc cheesy, là. T'as pas de cheesy. Ah oui, ma pâte cheesy à l'intérieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, ça sera tout. Pas de dessert, merci. Et pour mon pote, tu veux quoi? Tu veux m'appeler comment? Tu veux quoi? Vas-y, vite, là. Tu viens de m'appeler comment? Vas-y. Mais tu viens de dire pour mon pote ou pour mon mari? Pour mon mari, oui, vas-y. Attends, vas-y, reparle avec la dame. Oui, oui, attendez, madame, mon pote, il met un peu de temps à se décider. Vas-y, m'appelle même pas mon pote, parce que toi et moi, on n'est pas... On n'est pas des amis, on est des maris. Donc, s'il vous plaît, madame, ma femme s'est trompée, elle a dit mon pote, elle voulait dire mon mari. Donc pour mon mari, ce sera des pâtes à la bolognaise. Ok, pour mon pote mari, ça sera des pâtes à la bolognaise. Je ne suis pas ton pote mari depuis. Mais ça, mon cœur, c'est bon, mais c'est même pas de qui tu... C'est quoi, je veux même pas de ta pizza, je veux même pas de tes pâtes. Bon bah, il veut rien. Voilà, ça me fait des économies, merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Bébé, je vais te poser une question. Tu me réponds sincèrement. J'ai peur. Non, t'inquiète, n'aie pas peur. Admettons, on joue au loto. Ouais. C'est toi qui as payé le ticket. Ouais. Mais c'est moi qui t'ai aidé à trouver les chiffres. Ouais. Et là, tout d'un coup, tu vois que ton ticket, il est gagnant. Ouais. T'as gagné le gros lot, t'as gagné 200 millions d'euros. Ouais. Et là, bah... c'est toi qui l'as vu, hein. C'est pas moi qui l'as vu. Tu me dis. Et donc, en gros, ta question, c'est ce qu'on partage, c'est ça? Ouais. Parce que c'est toi qui as payé, mais si c'est moi, je t'ai aidé, hein. Viens voir. Pourquoi tu veux mêler ta mère dedans? Pourquoi il veut... Maman, monte derrière. Vite. On va voir. Non mais attends, j'ai posé à toi, pas à ta mère. Maman, Ania, elle m'a dit, on est au loto. Et en gros... En gros, c'est lui qui a payé le ticket de loto, mais c'est moi qui l'ai aidé à gagner les chiffres. Et le ticket, il est gagnant. Qui gagne l'argent? Qui gagne l'argent? Bah c'est moi. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Non mais c'est moi, j'ai payé. Mais c'est moi, je t'ai aidé à trouver les chiffres. Mais c'est moi qui paye tout. C'est moitié-moitié. Mais oui, mais je paye tout dans la vie, de tous les jours. C'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié. Je suis d'accord avec Ania. Oui. Bah non, moi je suis désolé, je garde pour moi. Je vous laisse dans la merde. Ouais. On va ouvrir le cadeau de la TikTokeuse. De toute façon, je vais bouler le cadeau, t'en as pas pris. Mais non. Vas-y, c'est accélère quoi, là. On dirait que tu l'apprécies à ouvrir. Oh. Non, apprécie même pas ton cadeau. Mais attends, deux secondes, Ania. Apprécie même pas ton cadeau, je te le dis direct. Je vais le brûler dans
dans tous les cas. Donc il y a ça dedans. Ah, ça c'est une facture au cas où. Peut-être qu'il y a un nom dessus. Il y a un ticket de caisse. Ah non, même pas. Bon, du coup, je vous montre ce que j'ai reçu comme cadeau. Quoi, bébé, tu me regardes mal, on dirait, je suis content d'avoir eu un cadeau. Ah si, ton truc, je vais le brûler. Attends, ça se trouve, la personne doit se dire, sa meuf, elle lui a même pas fait un calendrier de l'avant, du coup, je lui fais des cadeaux. C'est bon. Je ne voulais pas de calendrier de l'avant. Voilà. C'est quoi ça, on dirait un chiffon. Il est trop beau. Non, il est horrible. Ah non, il est horrible. Tiens, on va le brûler. Ouais. Hein ? Oui. Mais j'ai juré, il est magnifique. Il est dégueulasse, ton cadeau va le brûler et ta lettre, regarde ce que j'en fais. Allez, bonne soirée. Non mais c'est une blague ou quoi, mon mec, il met pas de cadeau. En tout cas, je garde mon Bob. Allez, bonne soirée. Franchement, mon cœur, heureusement que j'ai commandé japonais parce qu'avec toi, j'aurais rien mangé. Ouais, t'as bien fait. T'as dit que t'avais pas faim. T'as dit quoi? Bah t'as dit que t'avais pas faim. Quoi? Japon quoi? Japonais. Ah, je me régale. Ça a l'air bon. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Ah, mais c'est pas pour toi. Oh non, mon cœur. Mais c'est pour qui alors? Bah c'est pour moi, mais ils ont pas mis de sauce. Mais je pense pas des mêmes sauces. Oh non. De toute façon, j'avais pas faim, donc t'inquiète, je te surveille. Non, là, je vais regarder. Ouais. Paye, hein. Ouais, regarde là dans les placards. Alors là. Alors là, mon pote. Il est où le chien? Je veux dire qu'ils sont tombés par terre, je m'en fous. Mmh. Non, mais bébé, sûr, regarde là, là-bas. Regarde là. Regarde bien là-bas. Il y en a une. Ah mais je sais pas si c'est la sucrée ou la salée, merde. Je sais pas du tout, mon cœur. Ah, je sais pas, faut que tu me dises, mon cœur. Ils sont où, mes mêmes? Ils sont où, mes trucs? Ah bah je sais pas du tout. Non mais vas-y, mais... Ah bah je sais pas, le chat il les a... Chouchou! T'as la sauce là sur ta bouche. Bon, tire la langue. Tire la langue. Anya! T'as de la sauce sur ta bouche. Y'a du. T'as mangé tous mes trucs! Bah, désolé. Non, mais t'as dit t'as mangé. Vas-y, ouais. Reste de la salle, tu crois que je suis un lapin ou quoi? Regarde là-bas! Non, mais vas-y, non, mais. Regarde bien! Je prank mon copain avec un masque rouge très spécial. Mon cœur! C'est atelier masque pour toi! T'es prêt? Non, vas-y, c'est atelier détente aujourd'hui. Vas-y, installe-toi. Non, oh, le canapé. Déjà, tu poses ton téléphone parce que c'est censé te détendre et tu ne penses à rien. Ça va picoter un tout petit peu. C'est froid. Mais c'est rien, ok? Et surtout, mon bébé, tu ne touches pas. Même si ça pique, hein. Ah! Non, il faut que tu résistes. Attention, tu en mets partout. Il faut que tu résistes. Attends, je t'ai dit de pas toucher. Je t'ai dit de pas toucher. Attends. Attends, non, appelle-moi la police. Qu'est-ce qu'il y a? Non, enlève pas. Mais c'est mon sang. C'est ton sang des règles. Mais oui, mais c'est pour la peau, c'est fait exprès. Toutes les filles font ça, mon cœur, pour éviter qu'elles aient des boutons. T'as étalé ta chatte sur mon visage, hein? J'ai pas étalé ça, mais n'importe quoi, c'est du sang que j'ai récupéré. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fous de ma gueule? Est-ce que t'as déjà vu une femme prendre le sang de là pour l'étaler sur son mec? Mais oui, mais il y a toutes les filles qui font ça. Dans les commentaires, les filles, s'il vous plaît, dites-lui que toutes les filles font ça pour éviter d'avoir des boutons. Les filles, vous allez me dire maintenant que vous prenez le soin pour un nana pour le mettre sur votre visage. Arrêtez. Mais c'est une astuce. Arrête. Mais c'est une astuce. T'es en train de me brûler mon visage. Mais... T'es en train de me pourrir mon visage là. Mel, j'ai besoin de toi. Pourquoi? Est-ce que tu peux tester Zizou? Je veux savoir s'il m'aime et s'il est fidèle. Non, mais des sérieuses là, non, s'il te plaît. Mais viens voir, on a un truc à dire avec Mel. Quoi? Très important. Enfin, je peux pas faire. Toilette ou tranquille. Attendez, je vous laisse tous les deux, j'arrive. Tu as un truc à boire, même? Ah, Coca Zéro, s'il te plaît. Coca Zéro, toi, je te le vends pas. Moi, Tiens, je tiens un grand secret entre toi et moi. Viens. Hey, tu sais que tes boucles, elles sont très. Bouclées. Ah! Quoi? Tu m'as fait mal? Tu touches pas mes cheveux? Mais pourquoi? T'aimes pas les papes pourries, hein? Je sais que t'aimes ça. Je sais. Moi, je les aime plus basse, je trouve. Plus basse, c'est vrai. Tu veux que je fasse un brochet, que je m'occupe de non, toi? Non, plus bas. Que je te fasse un... Je sais pas, quelque chose. Arrête, je te rends compte, mais... Et alors? Ça va. Alia, tu as trompé madame du soir, écoutez. Je l'ai jamais trompé encore. Encore? Comment ça encore? Et ben voilà. Je serai la première. Je suis un cobaye. De quoi? Tu le dis pas. De quoi? Ah, ça, je trouve. Tu veux la prendre avec moi? Ah non, mais quoi?
Je t'avais dit, les boucles fatiguées. Tu vois, je suis choquée. Sortir avec un mec bouclé égale danger. T'as vu, c'était un test. T'as vu, c'était un... Elle veut un vrai bad boy dans sa vie, celui qui ravitaille toute la ville. Elle va tomber en love comme une imbécile. Ensuite elle va pleurer parce qu'il est toxique. Aujourd'hui Zizou et Anya cuisine. Pour notre première recette, on va faire des pâtes à la sauce tomate feta. Et c'est des pâtes que vous voyez partout sur TikTok. On aura besoin de sauce tomate. Je peux faire. Non, arrête, maquillage. De l'herbe de Provence, si. Basilic. Ça s'appelle comment? De la feta. Ça va entre mes mains. Et de la vache qui. T'es trop belle quand tu cuis. Merci. Je rigole. C'est sérieux là? On ajoute sel et poivre. Et on rajoute de l'huile. On l'enfourne au four pour 15 minutes à 185. Regardez. On ajoute les pâtes. Une fois que c'est cuit, on vient casser le fromage et on mélange tout. On ajoute toutes les pâtes. On ajoute du poulet. On rajoute le fromage râpé. Tu goûtes? Oui. C'est trop bon. Et ça repart au four pendant 10 minutes. Tada! Ça va pas trop bon, sérieux? Ça va être ça. C'est le meilleur. Aujourd'hui, Zizou et Anya cuisine et on va faire des hamburgers faits maison extra cheesy. On a besoin de steak haché et on va les rembourrer. C'est quoi le rembourrage? On va prendre du cheese et on va le mettre dedans. Comme à Dubaï. C'est trop bon. On va venir aplatir au maximum les steaks hachés. Une fois qu'on a mis le fromage à l'intérieur de la viande, on prend l'autre partie de viande et on met par-dessus. Oubliez surtout pas d'assaisonner vos steaks et on aura également besoin d'oignons. Allez bébé, coupe, 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 coupe. On passe à la cuisson. Ils sont énormes. En attendant que les steaks cuisent, on va venir faire dorer nos pains. En attendant, on fait revenir nos oignons. La viande est cuite et on passe à la sauce des burgers. On ajoute de la salade pour Anya parce que bah Anya c'est un petit lapin. J'aime trop la salade. Notre viande. Des oignons pour Anya. Des tranches de cheesy. Les gens, Anya va abandonner, elle est partie aux toilettes. On remet des sauces. Voilà le burger. Il y a un bon matomique. Trop cool. Sera de Twitch ou de sur Smart. Parce que je suis horrible sans maquillage, je suis rouge, rien d'autre, t'es trop belle. N'importe quoi. Please. Ah, you horrible. Tu suis un des bois de tien. Ça m'aide. Ok. Attends, c'est quoi? Mais je te promets, elle a la même gueule que toi. Bah, c'est juste, bah, tu sais, juste parce que je suis pas maquillée. Ok, fais les enfants. Oh, tiens. Number of kids. 3. Bah, c'est bien 3. Bah, non, c'est mieux 2 ou 4. Non, c'est bien 3. Ben non, 2 garçons, 2 filles, ou 1 garçon, 1 fille. Bon, ok, 3, c'est pas grave. Attends, bah, la troisième groupe se rend devant. Ouais, ok. Ok, attends, dans la voiture. J'appuie. Attends, non, c'est moi. Mais non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi, Anya, vas-y, arrête de faire le bébé. S'il te plaît, mon amour, s'il te plaît, dans la voiture. Putain! Oh, je peux pas me le faire. Bah, c'est pas grave, bah, la donne à ta mère. Wouah! Dans la cave, on a donné ta mère. On éclate ta mère avec. T'es pas un goût, mais casse pas ma mère avec. Mais vas-y, toi, je vais lui dire. Oui, ça. Bah, Olivia, qu'est-ce que tu fais? Je suis au McDo. Pour faire quoi? On va prendre un McDo pour Zizou. Bon, en ce moment, Zizou, il est pas très très bien. Il reste un peu dans son coin, il fait plus trop de vidéos. C'est pour ça que vous voyez plus d'ailleurs, mais il vous aime toujours autant, vous inquiétez pas. Donc, pour le réconforter, pour lui faire plaisir, on va lui prendre un petit McDo parce qu'il aime trop le McDo. On a bien récupéré le McDo. Et en plus de ça, les chaussettes qui vont avec. C'est trop chou, maintenant on va lui emmener. Bah oui. C'est parti. Bébé. Ça va? Merci. Regarde, t'as pris quoi ta mère? C'est vrai que tu les essayes. Des chaussettes pour l'hiver. Chaussettes McDo.
Elles sont belles ? Ouais, mais là. Tu vois les chaussettes ? T'aimes pas ? Faut arrêter de bouder, hein. C'est... Ça va s'arranger. Faut que tu manges ouais, un peu. C'est bon, là, on est en train de faire du sketch, ça s'affiche sur TikTok, là. Bon, bah, il est énervé. Surprise ratée. Il n'a pas de mal d'eau. On va tout manger. Tant pis. Je piège mon copain avec une culotte cachée dans sa doudoune. T'arrives dans combien de temps ? Ouais. T'es sûr, hein ? Tu fais vite, hein ? Promis ? Bah vas-y, attends ! Attends, bisous ! Quoi ? Attends, y'a un truc là, j'ai vu un truc violet qui dépasse, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Oh ! Ah, il est beau ! Oh ! Pourquoi t'as ça dans ta doudoune ? T'insinues pas quand même que je mets des strings, hein ? Ah non, j'insinue pas ça justement, j'insinue que tu me trompes. Non mais. Ah non, mais t'es sérieux là ? Ah non. Ah comme ça ? Ah non. Mais pourquoi y'a une meuf, elle a mis. Pourquoi y'a une meuf, elle a mis ça, ouais ? Non mais. Eh hey, oh, tu fais quoi là ? Il est trop propre. C'est pas usagé ça. Et ça veut dire quoi ça ? Bah, c'est sûr qu'il a pas été utilisé, il est propre. Il s'en a laissé. Ah donc en fait, toi tu laves les strings des autres meufs, c'est ça ? Mais non, c'était dans la doudou, c'est-à-dire que c'est. T'es à moi, logiquement. Non mais. Dis comme ça, on peut penser que c'est à moi, mais en vrai non. Mais c'est à qui du coup ? Non, c'est pas à moi, non ? Si, parce que t'as voulu me croquer. Ah non, pas du tout. Ah, du coup, c'est à qui ? C'est à ma mère, je sais pas, bon, je vais chercher le McDo. Ah, ta mère, ouais, d'accord, ok, allez. Baisse un doigt, édition casanier. Si vous baissez plus de 5 doigts, alors vous êtes vraiment casanier ou casanière. Commençons. Baisse un doigt si tu as déjà annulé des plans à la dernière minute juste pour rester chez toi. Baisse un doigt si tu as déjà prétexté être occupé pour éviter une sortie. Baisse un doigt si tu as déjà annulé un rendez-vous avec la première personne qui apparaît quand tu cliques sur partager puis WhatsApp. Baisse un doigt si tu as déjà regardé toute une saison d'une série en une seule journée. Baisse un doigt si tu es content lorsqu'il pleut, car c'est une autre bonne raison de rester chez soi. Baisse un doigt si tu préfères une soirée film à la maison plutôt qu'une sortie en boîte. Baisse un doigt si l'idée de passer une semaine sans voir personne d'autre que ceux avec qui tu vis te semble agréable. Baisse un doigt si tu commandes souvent à manger plutôt que de sortir manger dehors. Baisse un doigt si tu as déjà été soulagé quand un événement auquel tu ne voulais pas vraiment aller a été annulé. Baisse un doigt si tu as déjà passé plus de 48 heures sans mettre un pied dehors. Commentez combien de doigts vous avez baissé et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Ce jeu n'est pour toi, donc celui qui gagne il a le droit à une surprise. Toi tu rigoles. Ok, je te jure, si je gagne, la vie merci. T'es merguez. Si je te jure, si c'est une blague, vas-y, perds. Je te mets là, je te mets là, perds. Non, par contre, déconcentre pas, s'il te plaît. T'as gagné. J'ai gagné. Ok, à moi, vas-y, je te jure, je vais gagner avant toi. Ma vie, le fil, c'est pour les gens de 10 ans. Je te promets que c'est trop... Si tu perds... Putain, vas-y, arrête de me dire si tu perds, là. Vas-y, j'ai... Non, vas-y, c'est t'es bon, nul. Là, c'est en train de me saouler. Du coup, je disais, si tu perds, tu dois liker tous les commentaires de ce TikTok. Mais je fais que perdre depuis... Et tu dois t'abonner à toutes les personnes. Ok, bah toi aussi. Dans les commentaires. Toi aussi, si tu peux. J'ai gagné. Non, et non, pour non, Zidane, non, allez. Non, allez, pas du tout. Allez, dernier essai. Vas-y. Je te porte là. Ma vie, je me connecte avec les esprits pour que tu perdes. Ah ! Il rentre pas. Putain, biche.
Les gens, lâchez-vous dans les commentaires. Aujourd'hui, Zizo et Annie à la cuisine, on va faire du poulet. Avec de la crème aux champignons, ça va être trop bon. On aura besoin de crème fraîche, de champignons, de riz et d'arômes. Et le poulet. Oui, le poulet le plus important. On va venir couper le poulet comme ceci. Et surtout enlever les nerfs. Il y a un truc que je comprends pas les gens, pourquoi vous aimez manger de la viande crue? Mais c'est trop bon. Oh. La cuisson du riz, on rajoute des cubes à... On ajoute le poulet, du poivre et du sel. Allez, on passe aux champignons, allez bébé, go. Arrête! Arrête bébé. On ajoute le champignon. On passe à la crème fraîche. Arrête! C'est pas bien du avec le riz, tu vois. J'ajoute du fond de volaille. On fait chifoumi, c'est lui qui va aller faire la vaisselle. Vas-y, bon, c'est bon. Chifoumi. Oh, je t'ai salué. Les gens, tout est cuit, on passe au dressage. Allez, c'est parti. C'est énorme. Bon appétit. De la bombe atomique. Allô? Ouais, ça va et toi? Oh non, mais t'as vu, je suis démaquillée. J'ai la flemme de sortir. C'est un pote. Attends, je vais demander comment à mon best. Je vais demander à mon best friend si il veut. Tu veux sortir ou pas? Pause! Quoi? Comment ça, je vais demander à mon best friend? De quoi t'es mon best friend? Zama, toi et moi, on est des BFF. Bah oui. Zama, ami pour la vie. Best friend, meilleur ami pour la vie, promesse du petit doigt. Je rigole même pas, Anya, je te jure, je rigole même pas. Déjà, d'où t'es au téléphone avec un mec? Mais c'est mon pote. D'où il y a un mec qui t'appelle? Tu veux sortir? Il est actuellement 22h. D'où un mec qui t'appelle? Attends, à mon best friend, il est indécis. 22h01. Déjà, je suis pas son best friend, je suis son mari. M-A-R-I. Bah attends, je te rappelle parce que je crois qu'il veut pas trop sortir, Anya, il est un peu en colère. Je rigole même pas avec toi, je te promets. Allez, je rigole même pas avec toi. Bisous, je te jure que je rigole même pas avec toi. Je suis pas un BFF. On n'est pas au state, on est en France, on est mari. Ah, mais ça va pas ou quoi? On n'est pas un BFF. On n'est pas un best friend. Mais si, on est des best friends, des meilleurs amis pour la vie. Mais ça va pas ou quoi? Vas-y, moi je vais sortir. Tu vas sortir. Ah, tu vas où là? Mais tu vas où là? Dis-moi juste, tu vas où? Je sors pas. Non mais, non mais vas-y, t'es. Non mais vas-y. Bébé, tu dois me faire vibrer, tu dois me trouver un cadeau à 1 euro. Hein? Allez. Mais il n'y a rien comme cadeau à 1 euro. Allez, tu vas trouver un cadeau à 1 euro. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il m'a acheté? C'est quoi dans le sac? Mais il a pas pu en avoir pour 1 euro tout ça là. Pourquoi il a un padding? Allô? Je veux bien m'aider. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais quoi ça, vous avez le bon? Pourquoi t'as un caddie? Mais tu voulais un cadeau à 1 euro? Ouais. Non mais. Tiens! Mais ma vie! Je ferais tout pour toi. Un cadeau à 1 euro, c'est un cadeau à 1 euro. Ça va pas ou quoi? Mais pourquoi t'as acheté ça? J'ai pas acheté, j'ai piqué. Hein? Bah oui, ma vie, tu voulais un cadeau. Mais t'es sérieux là? Tu fais un cadeau à moins d'un euro, sois content, tu pourrais aller faire les courses. Mais ça va pas ou quoi? Je peux mettre un bébé quand il va naître. Mais t'es complètement starbé du cerveau, mais va rentrer dans le magasin tout de suite! Dépêche-toi, tu vas au magasin, tu vas le
rendre. Tu vois pas comment je transpire comme un porc? Je me déchaîne pour toi, pour te faire kiffer. Et toi, tu veux que je le ramène au magasin? Tu le ramènes tout de suite au magasin, Zinedine. Dépêche-toi. Je rigole pas avec toi. Ramène ce chariot. Bah, parce que je vais foutre avec un chariot chez moi. Non, mais sérieux. Oh, ma vie, tu me fais de la peine. Tu veux un petit peu d'aide? Sûrement pas, tu te démerdes. Pour la peine, je monte dans le caddie. Mais non, t'es gros. Allez, dépêche-toi. Bébé. Quoi? Au final, quoi? Je te fais vibrer. Tu vibres. Va te dire, je te prends dans le caddie. Bir de gelmiş diyor ki karanlık sokaklarda denk düşmeyelim. Tabancası varmış ya baba, ateş ediyormuş. Je vais tester le boucleur 3 têtes de chez Action. Alors voilà comment il se présente. Je pense que c'est comme tous les boucleurs à 3 têtes. Normal. Donc pour l'allumer, c'est juste ici. Il y a le petit bouton rouge. Par contre, il marque pas la température. Donc je sais pas jusqu'à combien il chauffe. En attendant, je vais préparer une mèche. On va faire celle-ci. Sur la boîte, il y a marqué température maximale 190 degrés. Bon, je suis trop impatiente, je sais pas s'il est chauffé au max, mais on va essayer. Alors, voilà, j'ai peur de me brûler la tête. Ok. Je sais pas combien de temps faut que j'attende. Je sais pas si ça marche. Donc voilà la mèche, je sais pas trop quoi en penser. Bon, ça fait assez naturel, mais moi je voulais vraiment que ça fasse plus de vagues, genre plus de volume. Donc, j'ai l'impression que mes cheveux vont cramer si je le laisse trop longtemps. Mais j'ai l'impression que si je le laisse pas très longtemps, ça fait rien. Du coup, je comprends son prix, je crois. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. J'ai l'impression qu'on voit aucune différence entre les deux. Mais je voulais trop des gaufrettes, moi. J'ai pas de gaufrettes, là. C'est quoi le délire? Attendez, je refais. Je vais repasser sur celle-là. Mais c'est comme ça. Mais ça se trouve, c'est moi, je le mets mal. Hein. Attendez. C'est comme ça, on est d'accord. Comme ça. Ça me brûle la tête. Regardez, là, peut-être ça va faire. Voilà le résultat. La vérité, je m'attendais quand même à un minimum d'ondulation. J'ai l'impression que je vais y aller dehors et que ça va partir. Donc, franchement, je sais pas quoi en penser. POV, Anya vous présente le tagine marocain. Coucou les filles et les garçons. Je vais vous montrer c'est quoi les tagines marocains. Alors je vous explique, ça c'est un rouge à lèvres en fait, c'est pas un tagine, pourquoi j'ai dit un tagine? Alors je vous montre comment ça s'utilise, passe-moi le spray, il faut mettre de l'eau comme ça. Voyez, c'est rose. Ensuite vous mettez votre doigt comme ça, vous pouvez même faire un petit bisou. Mettez votre doigt comme ça. Non, j'ai des longs, faut bien tourner dedans. Ah mais il faut faire comme ça. Mais vous plus doucement. Doucement, vous pouvez mettre deux doigts. Regardez, c'est rouge. Vous mettez sur la bouche comme ça. Oh, il est parti. Attendez, j'ai mal fait pour mettre du spray. Oh, ça mouille. Arrête, la bébé. Attendez. Non, mais ça y est, là, on dirait vraiment que tu ressembles à elle. Non, ça y est. On veut plus de tutos comme ça, on n'aime pas. Mais je veux.